Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler domotique, sécurité de la maison et consommation électrique. Oui, on va réussir à faire tout ça en parlant que d'un seul et unique produit que nous allons déballer tout de suite. Et ce produit, c'est une prise connectée de chez TP-Link. C'est la prise connectée HS110. En version FR, il y a une version internationale. Je ne saurais pas vous dire quelle est la différence, mais en tout cas, j'ai pris la version FR pour être tranquille. Cette prise connectée, eh bien, elle est magique, tout simplement parce qu'elle va vous permettre de faire plein de choses. Tout d'abord, elle pèse moins de 140 grammes, donc 138, il me semble. Elle va vous permettre donc de contrôler les appareils qui sont branchés sur la prise, les éteindre, les allumer, planifier des plages horaires pendant lesquelles vous allez allumer ou éteindre certains de vos appareils. Ça peut, par exemple, vous permettre de simuler votre présence chez vous en allumant la lumière, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on parlait de sécurité de la maison. Donc, simulation de présence à la maison grâce à de la programmation. Vous allez pouvoir également mesurer la consommation des appareils qui sont connectés sur cette prise. Génial, donc vous allez pouvoir voir si l'appareil qui est branché dessus est énergivore ou pas. Vous allez pouvoir également utiliser IFTTT, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un service, une application qui va vous permettre d'automatiser des tâches et du coup utiliser la prise avec ces tâches automatisées. Par exemple, je quitte la maison, alors tu éteins la lumière. En utilisant votre GPS, l'application IFTTT va voir que vous n'êtes plus chez vous et va envoyer un signal à votre prise pour éteindre la lumière. C'est un exemple. Vous pouvez par exemple, avec encore une fois l'application IFTTT, dire je ne sais pas, il pleut dehors, donc je veux que la prise connectée allume mes volets, mes stores, peu importe, pour qu'ils se ferment automatiquement. Ou plein de choses comme ça, bon, des utilisations d'automatisation qui vont, par exemple, vous permettre de vous faciliter la vie au quotidien et surtout d'effectuer des tâches que vous auriez peut-être oubliées en temps normal. Par exemple, un truc un peu sympa qui peut être fait également, c'est de dire, avec la même application d'automatisation, dire si j'envoie un SMS à quelqu'un en disant je vais faire du café, bon, voilà, j'envoie un SMS, je vais faire du café, et bien la prise va lancer, allumer la machine à café. Bon, voilà, c'est plein d'utilisations comme ça, d'automatisation qui sont plutôt cool. Je vous invite, si vous le voulez, à aller sur le site internet de IFTTT. Je vous mets le lien en description, ça va vous permettre de savoir exactement ce que vous pouvez faire. Il y a pléthore d'applications, d'utilisations diverses et variées. Ce n'est pas uniquement TP-Link, hein, vraiment, vous avez tout. Vous avez des lumières connectées de chez You. Vous avez les lave-linge connectés. Vous avez les Google Home. Vous avez les Amazon Alexa. Plein de choses, plein de choses. En parlant d'assistant, prise connectée peut être pilotée depuis l'application mobile qui est compatible avec iOS et Android, mais aussi avec les assistants Amazon Alexa et Google Assistant. Donc, vous pouvez, par exemple, dire Alexa, je suis pas sûr. Alexa qui s'allume chez moi. Vous pouvez dire je veux que tu allumes la lumière, je veux que tu éteignes le fer à repasser, je veux que tu allumes la machine à café, plein de choses. Donc voilà, avec les assistants, c'est génial, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez sans les mains. Quoi d'autre? Tout simplement, ça va aussi vous permettre de faire de l'accès à distance. Voilà, vous êtes en dehors de chez vous, vous regardez il y a quelque chose qui s'est cassé la gueule. Bon, vous regardez sur l'application si par exemple vous avez oublié d'éteindre, je ne sais pas, le four. Bon, si vous avez un four qui se branche sur prise électrique et non pas directement avec les câbles triphasés, bon, ok. Mais vous avez oublié d'éteindre le four, eh bien, à distance depuis la plage en vacances, eh bien, vous pouvez éteindre le four. C'est génial.
Donc moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais déballer le paquet avec vous pour voir le contenu. Et je vous ferai une vidéo un petit peu plus tard pour vous donner mon avis. Des prises connectées, j'en ai eu quelques-unes, mais pas avec mesure de consommation d'énergie. Donc c'est ça qui m'a vraiment intéressé sur ce modèle-là, la consommation d'énergie. Donc je vais pouvoir vous dire par la suite si c'est quelque chose de vraiment correct, enfin quelque chose de fidèle à la réalité, ou est-ce que c'est un truc, un gadget, et en fait la consommation n'est pas du tout celle qui devrait être reflétée dans l'application. Point important, deux points importants. Premièrement, le prix. Donc le prix, c'est 25 euros, je crois que j'ai payé ça, 25 euros sur Amazon. Le prix fluctue un petit peu entre 25 et 35. Moi, je l'ai eu au plus bas, je crois, à 25. Et deuxième point important, c'est la taille. Bon, là, ça ne se voit pas, mais en fait, elle est assez haute comme prise. Du coup, si vous avez deux prises électriques qui sont l'une au-dessus de l'autre ou une multiprise, si vous mettez ça, vous perdez votre deuxième, enfin la prise d'à côté. Voilà. Malheureusement, c'est un gros point faible. Entre-temps, j'ai trouvé une autre prise qui, elle, n'a pas de partie haute, enfin voilà, qui est vraiment uniquement la prise électrique, qui fait aussi de la consommation, donc je la testerai dans une autre vidéo. On fera aussi le déballage, mais là, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur celle-ci. Donc, c'est parti pour le déballage. Et nous voilà de l'autre côté de la caméra. Donc, comme vous le voyez là d'un petit peu plus près, il s'agit donc de la Smart Plug Wi-Fi de chez TP-Link. Le modèle exact, il est noté sur le côté. Il est là. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est HS110. Et d'après la fiche Amazon, j'ai acheté la version FR. Donc, encore une fois, FR. Mais je pense qu'il n'y a pas de grande différence avec la version internationale. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a la prise connectée. On nous dit qu'on peut contrôler depuis n'importe où cette prise et donc mesurer également la consommation. Sur le côté, on nous dit quoi? On nous dit donc accès distant, planification, surveillance de la consommation, simulateur de présence. Voilà, bon, tout ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt. Derrière, qu'est-ce qu'on a? La même chose, on nous rabâche la même chose, très très bien, le fer à repasser. Ah bah ça c'est bien de ne pas oublier de l'éteindre. Bon, je vous ai dit aussi, effectivement, je vous ai pris cet exemple-là du fer à repasser. Qu'est-ce qu'on a d'autre de l'autre côté? On nous dit que c'est compatible iOS et Android grâce aux deux petites icônes ici, enfin les logos, App Store, Google Play Store. Les différentes étapes d'installation, on télécharge l'application, on branche la prise et on la configure. Ça paraît être un jeu d'enfant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ils nous disent dans quel cas on peut le. On peut. Ah non, pas du tout. C'est même pas dans quel cas on peut utiliser la prise. Et ils nous font la publicité en fait des autres produits TP-Link. Bon, passons. Et ben, on a fait le tour. On a fait le tour. Très bien. Garantie 3 ans. Alors c'est bizarre parce que là, il y a marqué garantie 3 ans, alors que sur le site de TP-Link, il y a marqué garantie 2 ans. Donc bon, on verra bien. On déballe. Hop, on prend le petit coupe-papier, toc, 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 toc. Et ça y est. Voilà le paquet déshabillé de son plastique. On ouvre, qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que je vais y arriver? Oh, je suis en train d'abîmer le carton. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà. Bon, rien d'autre. Parfait, qu'est-ce qu'il y a ici? Un manuel, deux manuels ou notices, trois, quatre et hop et cinq. Ah bah dis donc, ça c'est bien pour la planète toujours. Très bien. Donc on nous explique ici comment configurer à nouveau les différents boutons. Très bien. Et ben c'est tout. Ah bah dis donc. Ok. Donc la prise qui est assez grosse, comme je vous l'ai dit, qui prend pas mal de place. Du coup, effectivement, comme je vous le disais, si vous avez une deuxième prise au-dessus ou si c'est une multiprise, ah bah là, c'est fichu, la deuxième prise ne pourra pas servir. Donc voilà, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et la suite, bah, je vous dirai si ça marche bien
dans la vidéo dans laquelle je vous donnerai mon avis. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. D'ici quelques semaines, en attendant que je puisse faire un petit peu de consommation sur la prise pour voir un petit peu ce que ça donne, je vous donnerai mon avis dessus. Je referai une vidéo du coup, une petite vidéo pas trop longue pour vous dire si ça fonctionne bien, si le pilotage à distance fonctionne, si avec les assistants vocaux, parce que j'ai de la chance, je sais pas, on nous espionne, donc je sais pas, mais en tout cas j'ai la chance entre guillemets d'avoir le Google Assistant et Alexa. J'ai également Siri, enfin j'ai un HomePod, malheureusement c'est pas compatible avec, mais en tout cas je vous dirai ce que ça vaut avec les assistants vocaux, ce que ça vaut avec la consommation, le contrôle à distance, la planification, les automatisations, enfin tout ça, je vous dirai si ça vaut le coup ou pas, si vraiment j'ai été bluffé par la consommation, enfin par la mesure de consommation, parce que encore une fois, vous avez des prises électriques connectées qui coûtent beaucoup moins cher, la moitié de ce prix, à 10€ à peu près la prise électrique connectée, mais qui ne font pas la mesure de consommation. Donc si vraiment la mesure de consommation me paraît farfelue là-dessus, ça servira à rien de l'acheter juste pour le côté connecté, rien. Voilà, bah écoutez, en attendant, n'oubliez pas, si vous ne l'êtes pas, de vous abonner, de liker si vous l'avez aimé cette vidéo. Et en attendant, je vous dis à très vite, portez-vous bien. Salut !